Et salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. On est parti pour découvrir la région du Piaf, Revali, le guerrier Piaf, n'est-ce pas? Comme d'habitude, Link, on est obligé de le garder. En deuxième, je sais pas qui je prends. J'ai oublié le téléphone, bravo. J'hésite entre Mipha et... On va peut-être prendre Impa pour changer un peu. Parce que je l'ai rejoué un peu, du coup, en off, et elle est pas si dégueu que ça. Niveau 6, on est niveau 12. Bon, bref. On est parti. La suite du scénario. Hop. Les Piaf vivent dans un village aux confins de Tabanta. C'est un peuple aérien, muni d'ailes qui lui permettent de parcourir les cieux et qui excelle au tir à l'arc. Le fier Revali est le plus talentueux des guerriers Piaf. Accompagné de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule au village Piaf pour lui demander de piloter Vamedo, la créature divine du vent. Le groupe décide de traverser une plaine enneigée pour éviter de se retrouver face à une horde de monstres, mais se fait surprendre en chemin par un violent blizzard. Link conduit Zelda en lieu sûr, puis par explorer les alentours, mais... Il y a toujours le mais. Alors c'est moi ou c'est le jeu de la non-hype? Je sais pas, j'ai l'impression que ça intéresse pas beaucoup de monde ce jeu. Alors que c'est quand même l'univers Zelda, je sais pas. Alors il est revenu. Aussi longtemps que je serai en vie, je ne te laisserai pas mettre un pied dans le village Piaf. Le mec est déterminé. Attends, mais on se bat contre eux, littéralement? Qu'est-ce que... C'est normal, ça? Mais... En plus, j'ai oublié de changer... Non! J'ai oublié de changer son épée. Ah, j'avais essayé l'épée à deux mains, j'aime pas du tout. Il l'a gardé, du coup. Oh, fuck. Attends, elle, comment ça marche déjà? Absorber le symbole. Hein? Ah, j'ai pris un dégât. Ok. Attends, on va mettre nos marques et récupérer nos trois... Ah, merci. Comme ça, on a tous nos clones. C'est parti. Bon, je vais pas jouer Link, hein, parce que du coup, j'ai eu la lance et l'épée à deux mains pour lui. J'aime pas l'épée à deux mains. La lance, je trouve qu'elle est plutôt réussie. Je crois qu'on peut les envoyer. Ouais, on peut les envoyer comme ça, ok. Mais... Quelle bande de méchants. Du coup, on fait comment? Parce qu'il y avait l'air d'avoir un caillou avec du vent en dessous. C'était très bizarre. Attends, c'est quoi ça? Un avant-poste? Ok. Ah, c'est le combo en deux qui est sympa. J'aime bien. En plus, elle est intouchable. Genre j'ai esquivé ça à flèche. Ok. Angoisse de la princesse Zelda, ok, on a récupéré des ressources je crois, je ne sais pas trop. Vous êtes prêts?
parfait. J'arrive. En garde. J'arrive. Oula. On les a one shot. J'ai remporté la victoire. Du coup, par ici. Donc on peut sauter. Enfin, on peut sauter. On peut prendre les courants d'air. Planer. Ok. Attends, il n'y avait pas moyen de monter. Il n'y avait pas un courant là, non. Non, bon, on va faire le tour à pied, hein. Mais si, il y a des trucs là. Hein? C'était des dégâts? Pourquoi j'ai explosé sur un courant d'air? Je me suis dit, cool, c'est un truc pour monter, mais non, c'est une bombe qui arrive, ok. Un truc qui n'a aucun rapport. Allez, go. C'est one shot? Je sais pas. Il se relève ou pas? Oh, ça fait pas de dégâts en fait. JPP. C'est plus pour pousser qu'autre chose, je crois. Yes. De toute façon, pas comme tout à l'heure, hein, directement. L'ulti. Il n'y a pas de temps. C'est les herbes glagla qu'il me fallait, je crois. Oui. Du coup, on part par où? Genre, faut tout faire à pied, il n'y a pas des passerelles là. Fait quoi Link, je sais pas. Face à une paroi saumural. Ou un sorcier de glace. Super. Ça marche pas sur lui. Dommage. Quoi ouh, qu'est-ce qui se passe là? Le Darkseid. Avec QQQ. Ou un coffre. J'ai dit un coffre. Tu pars où là? Juste 300 rubis. Mais c'est de la merde. Mais c'est complètement caca. Là, il y a un truc à prendre. Mais c'est fermé. Bon, on va passer par là. Hein. Comment ça va, Darkseid? C'est passé ton truc du coup? Ton défi, ton challenge. Il essaie de me découper là. Ah! Fallait que je le. Je sais pas. Là je pouvais le. Ouais, mais le temps que je reconnaisse le symbole. Là où là, qu'est-ce qui se passe là? Elle s'en bat. Devrait pouvoir, oui. On l'a bloqué, ok. On va manger un coup quand même. Attends, il loot rien lui? Si. T'as perdu. Mais loot de la glace. Mais tu te fous de moi le jeu? Ah bah oui, mais en même temps c'est un truc de glace. Peut-être un peu logique. Ok, Darkseid. Bâton de foudre. Ah, mais on est full. Attends, je vais leur mettre un bâton de foudre.
Je vais rien comprendre. C'est la merde. C'est clairement de la merde. What the fuck. Je sais pas si ça disparaît là, si j'y retourne par exemple. Non, il y a encore. On va quand même recharger la foudre. Ça peut dépanner contre certains mobs. Hop. Il y a passé des mines. Mon attaque préférée. Yeah. La flemme. Ah! Ok. Ça m'a récupéré mes coffres. Je me fais bombarder. C'est pas très gentil. On peut monter. Mais non, mais. Attends, il y a un coffre. Bou, 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 bou. Un boomerang. C'est pour Link, ça. Ok. Attends, Link, on va peut-être l'envoyer. Ah, faut qu'il redescende là en plus, là, je crois. Reviens en arrière, Link. Ah, voilà. Sinon, ça va être galère là. Attends, du coup, je me fais taper, bravo! Calme-toi, Michel. Est-ce qu'il est raté, bravo? Putain, ils font des coups, je les vois même pas venir là. Faire la même. Hop, ça dégage. J'ai l'impression que dans le premier il y avait plus de persos par contre, faudra vérifier sur le long terme. Mais le premier était cool hein, sur 3DS déjà. Après la démo je sais pas si t'avais beaucoup de trucs à tester mais... Là j'ai déjà genre 5 ou 6 persos. Là, on en aura un de plus, du coup, normalement. Parce que tu vois, Impa, il est pas du tout pareil, là. Ça se casse, ça. C'est quoi, ça? Je veux bien y aller, mais... Je suis censé monter. On va essayer de mettre une bombe, du coup, on verra ce que ça fait. Ok, ça a marché. Nayusu. Mais d'où j'ai fait... Mais non mais... Alors j'ai fait un dash avant le truc et du coup ça m'a fait sauter après que j'ai pris... Mais deux fois hein. C'est sympa ça de me bombarder alors que je suis pas encore là. Là aussi je crois qu'à la fin du jeu tu pourras jouer les méchants quoi. Putain par contre je suis obligé de jouer Link en mode j'ai pas envie de le jouer là, avec la grosse épée. Je regrette. J'ai oublié de rechanger son arme. En plus, c'est même pas une arme augmentée. Bleh. Bleh. Ah, Link, tu vas te faire ouvrir en deux. Ah, je viens d'arriver, il est déjà mort quasiment. Qu'est-ce que. Il s'est passé quoi là? On a tous pris feu. Hein. Bon, on l'aura vu un peu avec cette arme. C'est vraiment pas ouf. Hein. Attends, et si on lui balance, je sais pas. Il a tiré au-dessus de moi. Sérieusement. J'ai l'impression de pas le toucher, ouais.
Le feeling avec cette arme est très bizarre. Hein. What the fuck. Ah, y'a un coffre. Nick est moche. Toi, t'aimes pas son slip? Il faut utiliser le. Mince. Oh. Ok. Ils l'ont fait comme dans le vrai jeu Zelda. Oh. Une arme pour Zelda. Je m'en occupe. Et hop. Les cheveux sont horribles. Ah bon. Le mec, regarde les cheveux. Ah, attends, je sens pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Calme-toi. Mais ils sont deux en fait. Bah, mais y'en a un qui m'attaque pendant que je vise l'autre. Quelle bande de morues. Pourquoi j'absorbe pas le symbole là? Je spam le bouton depuis tout à l'heure. Là je comprends plus rien. La caméra est beurrée. J'arrive. Voilà, cassez-vous. Y'a pas un truc caché? Non, je sais pas s'il y a des coffres ou je sais pas quoi. Niveau supérieur, donc je me suis là, elle vient de level up. Bravo! Bon, ça va, on a encore d'huile. Link, je sais pas ce qu'il fait. Elle essaie de prendre un camp, je crois. Ouch! Non, mais dites donc. Cassez-vous. Du coup, là, on peut pas passer, faut faire le tour. Yes. De zone à cap, c'est-à-dire. Parce que là j'ai une cape. Non, je sais pas. J'ai pas compris. 3 ans pour atterrir, hein. J'ai pas compris non plus. Y'a un Korogu là. Ah, des zones à capturer. Si, si, là, Link il est en train d'en faire une par exemple. Ce qui est bien, c'est que tu peux switcher de l'un à l'autre comme ça rapidement. Hein. Là, on a capturé un truc, tu vois. Mais il y aura peut-être pas des grosses maps, je sais pas. Pour l'instant, je trouve que les maps sont plus petites, mais c'est un peu plus oh putain, un peu plus scénarisé, on va dire. On va essayer de tourner avec avec la bombe. Ça a clairement pas marché. Ah, comme ça, monsieur. Du bâton de foudre, mais il est déjà plein. Il est où le truc pour monter là? Parce qu'on avait vu la cinématique, j'avais l'impression qu'il y avait un truc pour monter. Ah, bah il est là. Ça, on va pouvoir monter normalement. Si, si, si. Donc, ça se trouve, il y a des zones que j'ai déjà ratées. Avec des trucs planqués un peu comme ça. On voit rien. Ah, il est par terre. J'avais pas vu. Méchant dans les tapes.
Mais là, je sais même pas pourquoi on tape les piafs. C'est pas très gentil. Parce que dans le jeu de base, ils ont un passé où ils se battent. Je me rappelle pas. Je sais pas si c'est censé se passer du coup 100 ans avant. Breath of the Wild. Mais j'ai pas souvenir que dans le passé, ils s'étaient combattus là. Attends, y a pas des coffres là. Ah, y a un truc là déjà. Comment je fais? Attends, bah comme ça. Yeah. Qu'est-ce que... Bah oui, mais si... Il me faut un arc pour casser ce truc, là. Bonjour, Pro. Bah oui, mais sauf que j'ai pas de ligne de base. Donc j'ai pas d'arc. C'est qu'au solo. Mais... Bon bah RT. Parce que pour moi ça me fait penser à une cible donc avec un arc, mais l'arc je crois que tu l'as que avec Link avec sa... son épée de base. Je sais pas. C'est l'intrigue test. Ou alors c'est là où on doit aller à la fin peut-être. Je sais pas, parce que c'est bizarre s'il y a même pas... Ah s'il y a un truc là. Un Korogu. Je sais même pas à quoi ils servent. Mais on a un Korogu. Ben go. Go au village. Ou je sais pas s'il est bon. Ou le bâton, mais non, je pense pas. Bon bah tant pis. Je pars du principe que j'ai pas le bon perso. On dirait un Pokémon. On dirait qu'il a un bazooka surtout, ouais. Mais pourquoi je joue lui là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La caméra. Mais ils me disent de verrouiller, il est déjà verrouillé. Nique-toi le jeu. Putain. L'ennemi est déjà verrouillé. Bah verrouille-le. Et pourquoi je prends des dégâts? J'appuie sur Y qui prend pas. Putain, mais absorbe ton putain de symbole, toi. Balancer une bombe dans la tronche là. Pourquoi j'absorbe pas? Je comprends pas. Du coup, c'est écrit en plein milieu de l'écran. Ça fait 4 minutes que je spam pour absorber le symbole, du coup, je prends des dégâts parce que j'essaie de rien faire d'autre. Ça marche pas. Je sais pas. J'ai pas compris pourquoi ça fait ça. J'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la pire arme du monde là. Ah, ça cancelle le truc. Ah bah d'accord. Bon, ça on va te le payer. Mais putain, mais il est pété lui. Il veut quoi là? Putain, je suis protégé. Depuis quand je suis protégé dans un jeu comme ça là? Mais nique toi! Il est importable. Pouf ma bombe. Je ferais bien de me préparer. Il est importable en vrai. Là je peux pas, je suis en train de voler donc je peux pas faire le truc. Bravo. La caméra. Il fallait que je fasse quoi? Je sais pas. J'ai... Oh putain. Hop là. Fais quoi Link là? Tu touches la nouille? Châtiment, elle revient pile poil dans la bombe. Je la déteste.
On va le manger. C'est ça, c'était la... Impa. Dans le passé, du coup. En fait, quoi, R2-D2. Elle a sorti sa doudoune. C'est vraiment dommage qu'on soit obligé de garder Link, hein, par contre. Ah, c'est pour le scénario. Ah, une nouvelle lance. Ah, donc on a enfin des armes qui ont des skins différents. Ça, c'est cool. Ouais, je dis ça, elle a rien, elle non plus. Il y en a que pour Link, hein, comme par hasard. Et on a un pantalon, hein, PTDR. C'est pas doublé. Révalier et les autres guerriers du village n'étaient parvenus qu'à grand peine à les repousser. Ils guettaient le retour de l'ennemi. J'ai compris ce qu'il s'est passé. Je suis si soulagée que vous soyez tous les deux sains et saufs. Mais... qu'il existe un gardien identique à celui-ci... voilà qui m'intrigue grandement, Votre Altesse. Oui. S'il est lié d'une quelconque manière au fléau, nous devons au plus vite prendre des mesures. Et pour cela, vous allez avoir besoin de mes talents, c'est bien ça? Pour piloter la créature divine. Tout de même. Le chevalier élu pour assurer la protection de la princesse. J'ai du mal à croire que ce soit un tel gringalet. Qu'est-ce qui lui prend? Apparemment, il veut faire savoir qu'il est lui aussi un chevalier au service de son Altesse. Pardon? Eh ben, on peut dire que vous faites une belle équipe tous les deux. Comment ça, trop prétentieux? Attends, mais... c'est pas censé enchaîner directement avec la bataille du... de la créature, là? Révali. Mouloulou. On va peut-être aller les tester vite fait... ici. Attends, je vais quand même voir si je peux pas... Ah, il me conseille d'aller là, oui. Ok. Est-ce que je peux pas lui acheter des trucs d'office, si... Allez hop. On dirait que ça a bien marché. On va le up autant que possible. Attaque standard en l'air. Fucking shit. Pourquoi ça me fait peur? Me voilà encore plus fort. Un cœur de plus. Là il nous manque une fleur. Là il nous manque du miel. Hop, une nouvelle recette. C'était impressionnant. La grillade de Tabanta. Qu'est-ce qu'il a eu? Calme-toi, Jean-Jacques. Du coup, là, on a ce qu'il faut. Je ne peux pas être un fardeau pour les autres. GG Zelda. Ah, du coup, ça nous a débloqué plein de ressources, c'est bien. Donc, il faut vraiment avancer dans le scénario pour j'ai réussi. Tout débloquer. C'est moi où le son, il bug un peu des fois, là. Quelle réussite! C'est fantastique! Et bien... ah, il y a du... il y a du miel, mais bon, on verra plus tard. On va surtout aller tester le petit piaf.
Il a un bel arc déjà, ouais. Let's go. Je pense que je le prendrai de toute façon pour la prochaine grande... Une grande mission, on va quand même le tester. En général, ça se fait en 5 minutes. Et Darkseid, pourquoi tu mets des yeux partout? Dans presque tous tes commentaires, il y a des yeux. Voilà la musique copie de MG... enfin, Monster Hunter Génération. Le mec, il met 4 perdus. Hein. Alors que t'as des smileys trop jolis. Comme le dab. Le dab de YouTube, là. Qui est absolument dégueulasse. Look at this. Hein. Alors, comment il joue, lui? Ok. Donc le combo 1, déjà, il fait tout péter. Décoller. Ouais, d'accord. Hein? The fuck, man? J'ai même déjà celui-là, là, il fait tout péter. Voilà ce qui arrive quand on me cherche des ennuis. Je suis au mieux de ma forme. Et celui de base, il passe automatiquement en mode vol. Non, pas du tout. Oula. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train d'essayer des trucs. J'allais dire ça fait pas de dégâts mais... Encore une victoire pour moi. C'est toi le coup de grâce. Ouais, c'est pas celui que je préfère. Hein. Au revoir, Darkseid. T'as fait la mission des Gerudo pour moi après? Putain, il y en a partout! Go vous agglutiner là! Regarde, il tire à côté là! Pourquoi ça affiche le coup de grâce quand je fais ça? Je suis au mieux de ma forme. Putain, il va m'en manquer un peu, allez, agglutinez-vous. Pour finir. Ces attaques touchent mass mob. Tu dis ça au moment où j'ai fait 4 ou 3 attaques dans le vide là. Quand j'étais en mode vol. J'ai pépé. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Hein? Je me suis trompé de gâchette encore, je suis pépé. Non! Je me trompe à chaque fois, j'appuie sur. Oh là là! C'est chiant ça, bah. Je me trompe de gâchette en permanence. Hein. J'irai pas plus loin. Encore une victoire pour moi. Pourquoi j'utilise la compétence spéciale au lieu de des items? Et vous voilà refroidi.
la merde. Je suis allé voir ce que ça faisait avec lui, la glace. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait de la mort, j'ai fait du caca. Je sais pas comment penser hein, du personnage. Je vais quand même le jouer sur la prochaine grosse map, histoire de, mais... Anyway, je coupe cet épisode là-dessus, donc je vous dis merci d'avoir regardé, à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao.